Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. L'une des bizarreries du métier de journaliste, c'est d'anticiper la mort. Ça peut paraître un peu sordide, mais c'est vrai. Dans toutes les rédactions, que ce soit en presse écrite, en radio ou en télé, il y a préparé à l'avance des nécrologies, des nécros, des textes, des sujets, des pages de photos ou des archives sonores qui retracent le destin de telle ou telle personnalité d'importance. Quelques histoires célèbres circulent d'ailleurs sur des nécros publiés avec un peu trop d'empressement que les défunts, tout à fait vivants pour le coup, avaient donc pu lire avec, on l'imagine, une pointe d'effroi. Parmi les nécros prêtes à dégainer, il y a fort à parier qu'on trouvera un peu partout quelque chose sur la reine d'Angleterre Elisabeth II, 70 ans de règne qui a priori s'approche de leur terme. Mais il se passera quoi lorsque cette figure à la fois terriblement familière et totalement étrangère disparaîtra? Eh bien on s'était posé la question en décembre 2021. Bienvenue dans Programme B. Petite frayeur après l'hospitalisation cette nuit de la reine d'Angleterre, une première depuis plusieurs années. Elle a subi des examens médicaux et a dû annuler un voyage officiel mercredi dernier en Irlande du Nord. Ses médecins lui ont conseillé de se reposer pendant quelques jours. Les Britanniques sont en partie rassurés. Ils sont très conscients que la monarque a 95 ans, qu'elle a perdu son mari cette année, qu'elle a un emploi du temps très chargé pour quelqu'un qui a cet âge-là, qu'elle marche depuis quelques jours seulement avec une canne. Tout le monde l'avait donc remarqué. Quelques jours après avoir passé une nuit à l'hôpital, la reine Elisabeth II renonce sur avis médical à se rendre à la COP26 de Glasgow la semaine prochaine. Selon le palais, la reine continue tout de même de travailler très légèrement. Pour le moment, Buckingham Palace ne donne pas d'informations sur les examens qu'elle a dû subir, ni de détails précis sur son état de santé. Mais que se passera-t-il le jour où la reine va mourir? Sans prétendre lire l'avenir, on a eu envie de se projeter dans ce moment inévitable où il faudra se passer définitivement de cette figure aussi familière que mystérieuse, inscrite dans le patrimoine mondial de la pop culture, au même titre que les Beatles ou que James Bond. Bienvenue dans Programme B. Pour en discuter, je suis allé dans les locaux du journal Libération, rencontrer deux fins connaisseurs de l'Angleterre et de sa royauté surtout, mes confrères et consœurs Michel Bécambois et Sonia Delessal-Stolper, qui fut longtemps Sonia correspondante du journal à Londres. Je leur ai demandé benoîtement à tous les deux pour commencer, il se passera quoi le jour où la reine va mourir? Alors, le jour où la reine va mourir, en fait, c'est une chorégraphie qui est en place, hein, qui est d'ores et déjà en place et qui est répétée régulièrement. Donc, en fait, en général, ce qui se passe, la première chose qui se passe une fois que la reine est morte, on n'annonce pas son décès immédiatement. En fait, on fait en sorte qu'il soit annoncé à une heure décente, que ce soit pour les journaux télévisés, radio, etc. Donc, en général, si ce n'est pas une mort brutale et qu'elle a été malade, on saura que ça va arriver. On pourra se préparer, mais l'annonce officielle n'aura lieu qu'à un moment très très précis. En général, ça peut être très tôt le matin ou dans la soirée. C'est le secrétaire privé de la reine qui va appeler Downing Street pour annoncer officiellement. C'est la première personne officiellement qui doit être au courant, qui va appeler le Premier ministre ou la Première ministre en place à ce moment-là et qui lui dira « London Bridge is down ». Et ça, c'est le mot de code qui dira « ça y est, c'est parti, la reine est morte ». Et à partir de maintenant, il y a toute la procédure qui va mener vers les funérailles, etc., qui va se mettre en place. Ce qui est intéressant, ce sera de voir combien de temps il va se passer entre le moment où elle va mourir vraiment et le moment où on va le savoir. Ça fait tellement longtemps qu'un souverain d'Angleterre n'est pas mort qu'avant, on avait toujours le temps de bien tout prévoir, justement, d'appeler la BBC, de prévoir l'heure de l'annonce officielle. Il y a même George V, on l'a fait mourir à une heure précise pour coller avec l'horaire de déclenchement des rotatives du Times. Donc voilà, on n'en est plus là aujourd'hui. Donc est-ce qu'on va avoir le temps de tout mettre en place comme le veut les règles de la monarchie britannique, ou est-ce que, vu la vitesse des réseaux, etc., est-ce que ça va finir par fuiter, est-ce qu'on va la prendre plus vite? C'est ça qui peut être assez intéressant. On n'a jamais vu un souverain d'Angleterre mourir dans une société de l'hypervitesse, quoi. Donc voilà, ça, ce sera assez rigolo à observer. Tout est prêt médiatiquement de l'autre côté de la Manche. On a découvert, je crois que c'était en 2017, un peu les détails de ce plan. On l'a découvert dans la presse.
Oui, oui, c'est le Guardian qui effectivement a sorti un scoop hein, avec des plans qui sont supposés être secrets, qui ne le sont plus donc, et qui, à moins qu'ils aient complètement changé tout ce qu'ils avaient prévu à l'époque, mais enfin, comme c'est quand même extrêmement codé, particulièrement au Royaume-Uni, particulièrement avec la monarchie britannique, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'ils vont changer grand-chose, quoi. Donc effectivement, chaque mouvement de chaque personne de la famille royale, de chaque institution du pays est chorégraphié. On sait à quel moment les drapeaux seront mis en berne, à quel moment on portera devant la grille de Buckingham Palace cette espèce de pupitre sur laquelle on pose l'annonce officielle qui sera probablement signée peut-être par le docteur de la reine disant la souveraine est décédée ou a rendu son dernier souffle à telle heure, etc. This is BBC Television from London. A short while ago, Buckingham Palace confirmed the death of Diana, Princess of Wales. The princess died following a car accident in Paris. She was 36. A statement issued by the palace says the Queen and the Prince of Wales are deeply shocked and distressed by the terrible news. BBC Television will bring you more information as we receive it. Pour la mort de Diana, par exemple, en 1997, la BBC a été prise de court puisque la mort est intervenue d'abord à l'extérieur du Royaume-Uni. Donc, c'était plus compliqué de garder le secret jusqu'à 1h décembre, donc en pleine nuit à Paris. Et le journaliste qui faisait le présentateur de la BBC le matin avait une cravate rouge. Et n'en avait pas de noir. Et ça a beaucoup choqué. Donc depuis, dans tous les tiroirs des présentateurs de la BBC, il y a des cravates noires et des vestes noires qui sont prêtes à l'emploi. Toute la presse britannique, les radios, les télés ont des heures et des heures de programmes en boîte. Le Times aurait 11 jours de couverture, sur la mort de la reine d'avance, préédité, voilà, qui peuvent dégainer à tout moment. Donc, ça fait tellement longtemps qu'ils l'attendent qu'il y a des strates et des strates d'années de préparation qui sont là et qui demandent qu'à sortir, quoi. Donc, ça doit amuser quelque part un petit peu la reine de savoir que sa mort est préparée à ce point et de continuer, elle, petit à petit, et que l'événement n'arrive jamais. Et alors chez nous, comment est-ce qu'un journal, typiquement au hasard, complètement au hasard, un journal comme Libération, anticipe un événement, alors certes, qui peut paraître anecdotique, mais qui en fait ne l'est pas du tout, et qui est un événement culturel, voire politique, mondial? Alors, comment on anticipe ? On anticipe avec très souvent la direction de la rédaction ou les personnes en charge qui harcèlent littéralement le correspondant en place, donc au fil des années, puisque la reine a vécu tellement longtemps et a régné tellement longtemps que, mine de rien... elle a usé plein de correspondants, absolument. Et donc, on a régulièrement le petit appel, notamment avant les vacances de Noël ou les vacances d'été, en disant, tu sais, tu te sentirais beaucoup mieux pour tes vacances si tu avais remis à jour ou complété la nécrologie de la reine. Et alors après, quand on est correspondant, etc., on a un peu la superstition de se dire, oh, quand même, préparer une nécro, elle n'est pas morte quand même, je vais anticiper, c'est pas top. Mais bon, au bout d'un moment, on fait ça quand même. Donc, on anticipe une nécrologie qu'on actualise autant qu'on peut et le plus fréquemment possible, si possible. Et on réfléchit à tout, en fait, à tous les angles possibles et inimaginables qui concernent la souveraine. Parce que c'est vrai que ce que disait Michel, c'est un événement qui va être tellement unique en soi, puisque c'est le premier décès d'un souverain britannique à l'heure du média, du multimédia, en fait. Et puis, bon, 70 ans de règne, il y a beaucoup à raconter, quoi. Donc voilà, donc on essaie d'anticiper de cette manière. À Libé, longtemps, on n'a pas beaucoup anticipé les nécros. La reine fait un peu exception parce que malgré tout, c'est un des très rares personnages incontournables et mondiaux à côté desquels on ne peut pas passer. Mais c'est vrai qu'on a cette réputation parfois à Libé d'être très fort en nécrologie, en tout cas de fournir des unes marquantes à la mort de personnalités. Il faut savoir que la plupart du temps, il y a une dose d'improvisation et on compte aussi un peu là-dessus. La spontanéité du traitement était très importante. Ça marchait du temps que Libération faisait des nécropapiers, mais évidemment, maintenant, on ne peut plus attendre que le journal sorte en papier le lendemain pour avoir quelque chose. Et évidemment, la spontanéité, c'est bien, mais le temps d'écrire une nécro, surtout d'un personnage comme la reine, ça prend plusieurs jours. Et si on doit la dégainer en quelques heures, forcément, ce ne sera pas forcément au niveau où on l'attend. Donc, depuis même à Libé, du coup, on essaye d'anticiper
d'anticiper, davantage, de préparer davantage. Tout le monde sait que les grandes nécros de la reine sont prêtes dans tous les médias. Nous aussi, évidemment, on a la nôtre, Café Sonia. Mais à côté de ça, il y a tout un tas de choses qu'on a préparées, tout un tas d'angles. Et puis, toutes les choses qui vont surgir au moment où elle va mourir, en fonction de comment elle meurt, quand elle meurt, où elle meurt, même si elle voyage plus beaucoup, même si... Voilà, mais évidemment, il y a des nouveaux angles qui peuvent surgir en fonction de la réaction au Royaume-Uni, de ce que ça provoque dans la société. Évidemment, il y aura les reportages sur place, il y aura les angles sur place qui se décideront au fur et à mesure. Et tout ça s'ajoutera jour après jour. J'ai une question qui va paraître totalement naïve, mais peut-être qu'elle n'est pas tant que ça, vous me direz. Pourquoi est-ce que c'est un tel événement, la disparition d'un personnage comme la reine? Pourquoi est-ce que, finalement, si on en revient à l'événement lui-même, pourquoi est-ce que ça doit prendre une telle ampleur? Il y a plusieurs réponses possibles. La reine est au même titre que Jean-Paul Belmondo récemment, Alain Delon plus tard, etc. La reine est un personnage célèbre, de toute façon, par essence. Par ailleurs, elle est plus qu'un personnage célèbre puisqu'elle est en fait l'essence d'un pays. Du Royaume-Uni, qui est un pays qui continue à fasciner le monde entier pour des raisons diverses et variées, en raison d'une histoire quand même extrêmement riche. Et elle est un symbole. Elle est un symbole, alors pour certains et pour nous, républicains, ça peut être un symbole de temps en temps un petit peu ridicule ou un petit peu outré ou too much, pour utiliser de l'anglais, mais ça reste quand même un symbole et en plus... À tout cela encore s'ajoute le fait que c'est un règne inédit, d'une longueur inédite, et qui va en fait, si on regarde la vie de la souveraine, ou en tout cas son règne, et l'histoire de son pays, on part d'un empire qui, on disait, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, et donc d'une souveraine qui était aussi impératrice au moment de son couronnement, et on arrive aujourd'hui à un pays qui est réduit en fait à son île et demie, et qui n'est même plus membre de l'Union européenne. Donc à mesure que son règne a avancé, le rayonnement britannique s'est réduit. Donc c'est très significatif aussi historiquement, et aussi il y a l'inconnu de l'après, quoi. On ne sait pas ce que ça va donner derrière. On ne sait pas ce que cette institution, cette monarchie va devenir sans ce personnage aussi central qu'a été Elisabeth II, ou qu'est encore Elisabeth II. Oui, pour l'instant. La mort de la reine, ce sera fondamental, parce que si... On verra après coup, mais on sait que tous, nous là, autour de cette table, mais partout, on se souviendra exactement où on était et ce qu'on faisait quand on l'a appris. Il n'y a pas beaucoup de personnages comme ça. Si on fait tous l'exercice dans notre tête, est-ce que je me souviens d'où j'étais quand ça s'est passé, ou quand un tel est mort, quand j'ai appris la mort d'un tel? Il n'y en a pas tant que ça. Voilà, on se souvient à peu près quand on est, où on était, ce qu'on faisait quand Mitterrand est mort, ou quand on a appris sa mort, parce que de la même façon, c'était un personnage qui nous a accompagnés pendant tellement d'années, quoi qu'on en pense. La reine, elle fait partie de ces personnages-là, même plus encore. On se souviendra d'où on était, ce qu'on faisait. Voilà. Et c'est un peu une espèce de requiem de la Grande-Bretagne après. Elle, c'était un peu le dernier attribut de la grande puissance qui reste. Qu'est-ce qui reste une fois que la mère le lapsus, c'est rigolo. Qu'est-ce qui reste une fois que la reine est morte comme attribut de grande puissance à la Grande-Bretagne, à part la nostalgie qu'elle l'a été? Voilà, sans doute pas grand-chose. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important. Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français. Où qu'ils soient, lorsqu'ils se rencontrent, nos compatriotes retrouvent toujours ce mélange unique d'amitié, de rivalité dans la bonne humeur, ainsi que l'admiration qui constitue l'essence des liens qui unissent la Grande-Bretagne et la France. Elle est un outil essentiel du soft power britannique, et on l'a vu très très récemment là, avec la COP26. Boris Johnson était
était tout ébaudi qu'elle ne soit pas disponible pour venir ouvrir le grand gala d'ouverture de cet événement-là, parce que sa présence aurait participé au rayonnement britannique, puisque c'était supposé être le grand événement international post-Brexit, justement. Donc, effectivement, une fois que l'inévitable se produira, comme m'a dit une fois un Britannique qui n'osait pas prononcer le mot fatidique, effectivement, quel impact ou quel soft power pourra utiliser le Foreign Office, la diplomatie britannique. Et c'est vrai que ni Charles, ni même William n'ont l'impact, ou en tout cas, c'est plutôt la reine n'est pas contestée, personne ne la conteste en fait, personne ne la remet en question. Alors que le prince Charles, même le prince William, il y a toujours des débats pour, contre, etc. La reine, personne n'est contre. Si vous réfléchissez, finalement, il n'y a pas souvent, il y a peut-être un peu théoriquement de temps en temps pour ou contre la monarchie, mais l'institution, mais en fait, la reine, elle ne suscite aucune opposition d'une certaine manière. Donc ça va être très compliqué. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment... Même dans cette ultime partie du règne, le palais utilise la maladie de la reine et ses coups de fatigue, ses absences, comme un élément même d'union du peuple britannique. S'unir derrière la souffrance de la reine fait partie du dernier cadeau que la reine peut faire à son peuple pour l'unir derrière elle, être de nouveau un point d'ancrage de son pays. Voilà, c'est ce qu'on dit quand on est roi d'Angleterre, reine d'Angleterre, mourir, ça fait aussi partie du job. Savoir bien mourir, mettre en scène sa mort, ça fait bien partie du job. Est-ce qu'il y a l'inquiétude du côté, alors peut-être pas uniquement des observateurs, mais du côté des Anglais eux-mêmes, de voir s'ouvrir une crise, pas tant une crise de succession, ça à la limite, ça reste parallèle, mais plutôt une crise au sein du peuple britannique, une espèce de perte de repères au sein de la société britannique, qui a besoin de la reine, on l'a vu pendant le Covid notamment. Alors, je pense que juste après le décès de la reine, non, catégoriquement non. Je pense que ce sera encore une fois, y compris dans sa mort, elle fédérera tout le pays. Donc, je pense qu'il y aura autour un tel émoi, une telle reconnaissance du service rendu à la patrie, etc., qu'en fait, il y aura au contraire les oppositions probablement s'aplaniront à ce moment-là. Et il y aura ensuite, je pense, la volonté, parce que le peuple britannique, pour le moment, est toujours très monarchiste. Ils ne remettent pas en question, vraiment. Il n'y a pas un mouvement républicain qui est une force terrible. Donc, c'est toujours un pays pour qui la monarchie parlementaire fonctionne. Donc, ensuite, je pense qu'il y aura la volonté de donner une chance au souverain qui succédera, donc en principe Charles, qui succédera à la reine. De lui donner une chance de poser sa marque, qui sera forcément très différente. Après, c'est l'après qui devient compliqué, parce que Charles n'est pas tout jeune non plus, donc de toute façon, il ne régnera pas très très longtemps. Et effectivement, la génération d'après, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus ancrée dans la vie d'aujourd'hui, enfin avec tout est relatif évidemment, est-ce qu'elle arrivera à imprimer la même marque que cette souveraine, qui n'y a pas de doute, hein, sur les derniers 10 souverains britanniques, elle est dans le top 2-3, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident, c'est pas sûr. Même sous son règne, il y a eu des périodes où la monarchie britannique a été très contestée. Il y a eu des périodes du règne où elle était assez impopulaire, sans même parler de la mort de Diana, où son comportement a parfois été mal compris. Donc, on relie aujourd'hui l'entièreté des 70 ans de règne à l'aune d'une fin de règne où elle est extrêmement consensuelle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a fort à parier que même si derrière les souverains qui lui succèdent n'auront pas ni sa prestance, son charisme, que dans le temps long, un jour ressurgira un nouveau roi, une nouvelle reine d'Angleterre qui aura de nouveau cette aura. Dans le temps long, on sait qu'Elisabeth succède à Victoria et on espère que dans 2, 3, 4 souverains, peut-être, il y aura quelqu'un du même acabit. Si la monarchie est toujours là. ce qui n'est pas forcément gagné. Qu'est-ce qui fait, au-delà de la longévité exceptionnelle qu'elle a connue, qui est pour le coup est particulièrement remarquable, qu'est-ce qui fait que dans la personnalité, le personnage qui est devenu Elisabeth II, elle s'est à ce point distinguée? Qu'est-ce qui fait que dans sa personnalité, elle est sortie du lot?
Alors, on va chacun avoir, on va tous avoir des opinions différentes hein, sur ce sujet. Ça explique d'ailleurs peut-être en grande partie la chose. Exactement. Moi, ma théorie, ou en tout cas mon interprétation, c'est que justement, elle n'a pas de personnalité. Enfin, c'est-à-dire, elle n'a pas de personnalité apparente. Évidemment qu'elle a une personnalité dans la vie, dans la sphère privée. Mais elle a su, et c'est en ça qu'elle a été absolument remarquable, elle a su projeter une image qui est une image blanche, en fait, sur laquelle chaque Britannique, mais même nous, chaque observateur, finalement, a pu, d'une certaine manière, se projeter ou dessiner ce qu'il a voulu. Si on regarde, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fallu gratter pour obtenir la moindre information sur cette reine, sur ce qui elle est en tant que femme, en tant que personnage intime, on sait rien, quoi. On sait qu'elle aime les chiens, on sait les corgis, on sait qu'elle aime les chevaux, on sait qu'elle parle français parce qu'on l'a entendu parler français, et qu'elle a reçu une éducation dans ce sens, mais finalement il n'y a pas grand chose qu'on sait sur elle, et cette devise never complain, never explain, ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre, c'est exactement ça, elle n'a jamais rien dit, et donc du coup c'est très facile en fait de l'aimer ou en tout cas de s'identifier puisqu'il n'y a rien sur quoi s'accrocher, à la différence de son fils Charles qui a toujours parlé et donné assez librement finalement une partie de ses opinions, parfois très controversé. Est-ce qu'il va subitement devenir un souverain muet et qui laissera finalement ses sujets projeter leurs envies, leurs rêves, leurs attentes sur lui ? C'est pas sûr du tout parce que effectivement il est trop âgé pour ça forcément et il a un peu trop parlé avant probablement. Effectivement, on sait rien d'elle, donc comme on sait rien d'elle, on peut pas la détester puisque elle donne prise à quasiment rien. Mais je pense que ce qui fait aussi sa popularité aujourd'hui, c'est justement cette longévité. Elle est là depuis tellement longtemps, c'est un repère depuis tellement longtemps que personne ne se souvient comment c'était avant. Aujourd'hui, pour être britannique et se souvenir de comment c'était sous George VI, il faut quand même avoir un certain âge et la proportion de Britanniques qui ont connu et qui peuvent encore en parler le règne de George VI est quand même assez réduite. Donc c'est là où en fait sa fonction rejoint la personne, c'est les deux corps du roi. Tout ça se confond aujourd'hui et du coup on aime la reine mais on aime l'institution en elle-même, puisque tout ça devient la même chose, puisqu'on n'a pas souvenir que ça a été autrement. Jamais. C'est sûr que quand, durant une vie d'homme ou de femme, on voit se succéder 2, 3, 4, 5 souverains, on peut faire un comparatif. Là, pour la majorité, la très grande majorité des Britanniques, être souverain, c'est juste être Elisabeth II. Et je pense que ça aussi, ça explique sa popularité. On ne se pose pas vraiment la question de, est-ce que j'aime ce souverain-là ou pas par rapport à un autre. C'est celui-là. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Ça rejoint ce que dit Michel, un peu la sensation que j'avais, c'était que Elisabeth II, c'est un de nos derniers liens culturel avec le XXe siècle. C'est un des derniers ponts qui est tendu avec cette époque qui a façonné l'époque d'aujourd'hui, mais c'est un des derniers vestiges, même si le terme n'est pas très joli, de cette époque-là et de ce siècle-là qui aura tellement bouleversé, fait changer les choses. C'est ça qui fascine, c'est qu'on sait qu'elle a serré la main d'Emmanuel Macron, mais elle a aussi serré la main de Vincent Auriol. Donc, c'est ce côté trait d'union comme ça qui est très très rassurant. Il y a un côté doudou dans la reine. C'était la reine, elle était là quand j'étais enfant et elle est toujours là aujourd'hui. Donc oui, il y a vraiment un côté doudou. C'est exactement ça. Et puis pour en revenir effectivement sur l'aspect historique et XXe siècle, c'est une souveraine qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui était encore une petite fille au début et une jeune fille à la fin, mais qui a connu la Seconde Guerre mondiale au Royaume-Uni, c'est fondamental. Il y a une vraie mythologie presque, on peut dire, autour de la Seconde Guerre mondiale, de l'attitude britannique, de l'attitude de la royauté pendant cette guerre. Et on le voit aujourd'hui dans les programmes multiples qu'il peut y avoir sur la BBC, toutes les chaînes de télévision, sur la guerre, sur le Blitz, etc. Il n'y a pas une semaine quand il n'y a pas un documentaire là-dessus. Et le fait que la souveraine est assistée à cette période cruciale du XXe siècle, charnière du XXe siècle, qu'en plus elle y ait joué un rôle. Bon, elle était toute jeune, mais elle a quand même joué un rôle. Elle a passé son permis de conducteur poids lourd. Le seul moment de sa vie, de toute sa vie, où elle a été libre au même niveau que ses sujets, c'est le soir de l'armistice où elle est sortie, elle a été autorisée à sortir dans la rue et où elle a été dans la foule devant Buckingham Palace en train de regarder ses propres parents saluer du balcon au milieu de la foule.
foule. Personne l'a reconnue. C'est le seul moment de sa vie où elle a pu faire ça. Donc, je pense que pour les Britanniques, c'est d'autant plus important parce que voilà, elle est un témoin direct de ce moment crucial. Et effectivement, après, ce sera très intéressant de voir. Il y aura plus cette identification avec ce mythe de la grandeur britannique au moment de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pas mythe, pardon, mais de cette image, en tout cas, qui est extrêmement véhiculée au Royaume-Uni, très importante. Merci à Sonia de Le Salle-Stolper et Michel Bécambois pour leur réponse. Cet entretien date de décembre 2021. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.